Lucie le bienvenue sur la chaîne de l'induction Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler Eh bien, on va revenir sur l'histoire de Assassin's Creed Mirage Le jeu Mirage <laughs> En fait, bon, on va jouer Bassim, uh, voleur, uh, à Bagdad, voilà. retour aux sources pour Assassin's Creed. Et il y avait une petite polémique, je l'ai évoqué dans ma vidéo d'hier. Et bien, Ubisoft a répondu et a tenu à rassurer les joueurs. Voilà, vous allez être rassurés, vous êtes contents. Je vous sentais un petit peu en sueur, un petit peu en PLS, vous inquiétez pour le prochain Assassin's Creed. Eh bien, rassurez-vous, on va voir quelle est la réponse d'Ubisoft. Juste avant, je veux faire quand même un petit retour. Sur euh, une de mes vidéos d'hier que j'ai faite sur le Z Event avec eh bien le succès. Alors c'est vrai que j'appelle ça un succès colossal. Oui, quand on aura réussi à ramasser plus de 10 millions euh, de brochures, eh bien pour moi j'appelle ça un succès. Et je ne m'y attendais pas, donc c'est très bien. Et euh, eh bien, ça a été une. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Une de mes vidéos avec le plus de dislikes. Alors, c'est pas non plus monstrueux. Hein, c'est pas <laughs> des tonnes et des tonnes. Je ne m'appelle pas Electronic Arts, Disney ou autre qui se paye des montagnes de dislikes. Non, juste un petit peu, mais un petit peu plus que d'habitude, j'en étais quand même. Et donc voilà, je me suis bien fait plaisir à lire tous vos commentaires. Alors évidemment, il y a tous ceux qui critiquent le Disney Event. Bon, bah ça, euh, désolé les gars, je pas trop répondre à ça. Hein. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de. De considérer aussi que les associations choisies euh, vous, vous conviennent pas, c'est très bien. Moi, je trouve ça formidable. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouve ça quand même formidable qu'il y ait des événements qui réussissent et eh bien à rapprocher, rapprocher les gens des, euh, du caritatif et euh, eh bien de, de voir des, que les gens en fait puissent avoir des convictions, euh, qu'on les juge bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Je trouve ça très bien de se renseigner, de se rapprocher du monde, un petit peu, justement, caritatif, de, de donner un petit peu, euh, de se renseigner sur des assos. Moi, je trouve ça très bien, voilà. Alors, il y aura des ratés, il y a toujours des ratés, c'est normal, mais c'est bien. Voilà. Pour moi, ça va dans le bon sens. Bref, donc, merci aux événements au en tout cas, de contribuer à ça. Et, évidemment, euh, l'immense majeure partie des gens qui n'étaient pas contents, c'est parce que j'ai parlé d'Altaïr, et je pense qu'il y a quand même quelques fans d'Altaïr dans le dos. Alors, c'est assez curieux, vu que... Euh, les gens pensaient que je jugeais le gars, alors qu'à aucun moment j'ai dit que j'ai dit qu'il devait être viré ou qu'il aurait dû jamais participer. Je ne le dis pas. J'appelle même à une réflexion. En fait, dessus, en, en gros, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on s'en fout Alors c'est pas possible on peut s'en foutre hein, de des, des, euh, des polémiques ou des trucs, on s'en tape. Ou est qu qu est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait euh, si on veut pas que ça arrive pour essayer de pas brouiller le message du truc Parce que là, c'était pas grand-chose, hein, franchement, mais ça aurait pu être plus important. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que Zeratord ont enquêté sur chaque streamer juste avant Et je disais juste que c'est pas possible. En fait, on peut pas aller fouiller dans les vidéos des gens comme ça, savoir s'ils ont fait des petits trucs. Et j'ai même répété plusieurs fois que des casseroles, on en a tous. De hein, toute façon, alors moi, je sais pas, peut-être que j'ai dit des conneries il y a longtemps. On en a tous. Hein, je, je sais bien, je m'ai mis tout le monde dans le même cas de Altaïr. J'estimais je qu'il a été un peu long. D'abord, on m'a appris, je ne le savais pas, qu'il avait été banni à l'époque pour se dire hein, qu'il était fait, je l'avais bien dit avant euh, le Z-Event. Euh, voilà, il s'était excusé d'ailleurs, très bien, hein, ton tact. Donc voilà, moi je me demandais en fait euh, surtout une espèce de réflexion sur est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas, on peut considérer encore une fois qu'on s'en fout, mais si on veut faire quelque chose, si on veut essayer que il y ait zéro polémique, est-ce que c'est possible en fait est-ce que pour moi pas trop, je vois pas exactement quand ça serait possible en fait parce qu'on va pas aller fouiller dans le passé des gens pour essayer de trouver n'importe quelle crotte de données qui arrive. Donc euh, voilà, c'était juste je voulais juste amener une petite réflexion là-dessus après avoir eu la polémique sur les assos euh, l'enquête sur les associations parce que certains avaient accusé Zerator de pas aller au bout de l'enquête sur les associations, notamment sur Good Planet. Bon, et eh bien là, je voulais amener la réflexion aussi sur les streamers, sur les gens qui animent ce truc. Est-ce qu'il faut aussi pousser un peu l'enquête plus loin Voilà, je voulais essayer de faire une espèce de parallèle. Bon, alors, c'est peut-être moi hein, qui, suis, qui me suis mal pris, euh, qui me suis un petit peu, peut-être un petit peu confusionnant, mais bon, ça m'a étonné, il me semblait avoir été clair. Pourtant, bon, bref, c'est dommage. Euh, voilà. <laughs> Écoutez les gens, je suis désolé, hein. <laughs> ça ne vous a pas plu. Bon, bah, c'est comme ça. Je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, qui vous, qui vous plairont. Voilà. Bref, allez, on parle Ubisoft, Donc, souvenez-vous, hier, j'ai fait une vidéo sur Assassin's Creed Mirage. Alors, pas le jeu en lui-même, pas le jeu en tant que tel, mais surtout quelque chose que certaines personnes avaient noté en disant que regardez ici ce petit logo de l'ISRV en disant ouh, adulte only, adulte seulement 18. Et là, quelques personnes se dit ouh là, mais qu'est-ce qui se passe C'est le premier jeu Assassin's Creed comme ça Oui, c'est bien le premier je vais le montrer juste après, en adulte, un 18 ⁇ comme ça, qu'est-ce qui se passe Et c'est vrai que si on allait sur la boutique Xbox, c'était marqué, alors les trucs de violence, de gore ça c'était habituel, mais il y avait un truc en plus, par rapport aux anciens jeux, c'était du real gambling, comme disent nos amis anglophones, des vrais jeux d'argent. Et là, j'ai dit, ouh oui, oui, Alors, il y avait la possibilité aussi que l'ISRV ait changé légèrement ses moyens de noter, mais ça voulait dire pour moi qu'il y avait une possibilité, effectivement, que... Eh bien, on met des loot box ou des jeux d'argent du, du casino. Je sais pas, ils vont bien nous mettre un casino à Bagdad ou une connerie comme ça. Et oui, ça, ils sont tous assez capables. C'est ça le pire, c'est qu'on ne s'étonnerait même plus qu'ils fassent ça. Et donc, je dis, voilà, hmm, c'est peut-être prémonitoire un truc qui va arriver, on va voir. C'était aussi, euh, évidemment, sur, pendant la... Enfin, pendant la... À la Ubisoft Forward hein, pendant la conférence qu'ils avaient. Si on regarde ici, hein, c'était euh, monsieur madame Diana Biana qui avait dit qui avait fait une capture d'écran hein, USA, Canada, Adults Only. Voilà, ISRB ici, regardez. Eh bien, en euh, euh, 14 minutes, enfin, on va voir sur Ubisoft Forward. Et c'est toujours là. Chose étonnante, c'est que c'est toujours là parce qu'il y a eu la réponse d'Ubisoft il y a eu quelque chose qui est changé sur la boutique. De Xbox que vous pouvez aller voir ici, c'est plus marqué à haut à 18 ici, mais c'est marqué eh bien en attente, en attente de la notation. Et là, pour l'instant, c'est Mature 17 Mature 17 plus qui était bien le, euh, le truc qui était mis sur les précédents Assassin's Creed. Je vais vous montrer. On a ici tous les, euh, les scores en fait qu'on peut obtenir sur un jeu. Ce sont encore une fois des indications. Ça n'a aucun office de loi ou de truc ou n'importe quoi, aucune obligation. Vous avez donc pour tout le monde. Pour tout le monde, 10 plus. Euh, teen, voilà les teens, nos amis les teens. Mature, 17 plus. Adult only, 18 plus. Et puis, vous avez ici en attente. En attente de, de jugement, en fait. <laughs> en attente de score. Vous allez en attente de score normal et en attente de score 17. Voilà. Et donc là, le Adult Only, c'était uniquement ici pour celui-là. Parce que si on refait une petite recherche sur les précédents Assassin's Creed, on a bien, ils sont tous bien en M, mature 17. Voilà. Il hein, n'y a pas d'erreur, ils sont tous là. Donc c'était relativement surprenant que les Sterby mettent du AO, hein, Adult Only, 18, sur un premier jeu. Et bien, Ubisoft a répondu et a tenu à vous rassurer, camarades gamers. Voilà, soyez rassurés, ils ont dit non, 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 il n'y aura pas de lootbox, il n'y aura pas de jeu d'argent dans notre jeu et c'est très bien. Mais bon, on va, on va porter un petit peu la réflexion un petit peu plus loin. Ubisoft a rassuré les fans préoccupés par les listes d'Assassin's Creed Mirage qui ont déclaré ils incluaient eh bien du real gambling, du vrai jeu d'argent dans le cadre des notes adultes only et 18+ plus pour le titre. Au bon, moment de la rédaction de cet article, une liste de magasins Xbox aux États-Unis avertit toujours que Mirage contient de la violence intense, du sang et du gore, des thèmes sexuels, de la nudité partielle. Ça, ça moi, je trouve ça c'est ça le plus choquant en fait. Pourquoi juste partielle Pourquoi pas complète hein Ça serait au moins. Allons-y. Hein, euh, bon. Et donc des jeux d'argent, il le répète rapidement. Ils ont reçu le rare label adulte Sony 18+ de l'ISRB, Le Comité de Nations des États-Unis. On parle bien de l'annotation de, des États-Unis, hein, l'ISRB ici. Voilà, c'est pas là en France. En France, on a Peggy la cochonne. Ici, c'est l'ISRB. Une liste britannique mentionne également du Real Gambling, hein, du vrai jeu d'argent aux côtés de extrême violence et le répertorié avec une note. Eh bien, Peggy18, Real Gambling par opposition à l'avertissement le plus courant de Simulated Gambling, c'est-à-dire que les utilisateurs pourront dépenser de l'argent réel pour jouer dans le jeu, Bon, typiquement des loot box Mais dans une déclaration à Eurogamer cet après-midi, Ubisoft a clairement indiqué que ces mentions sont une erreur et qu'aucun mécanisme de jeu ou de style lootbox ne sera présent. Suite à l'annonce d'Assassin's Creed Mirage lors d'Ubisoft Forward, certaines pages de magasins affichaient par erreur le jeu pour les précommandes avec une classification Easterby réservée aux adultes, a déclaré un porte-parole d'Ubisoft à Eurogamer. Alors qu'Assassin's Creed Mirage est toujours en attente d'évaluation, Ubisoft souhaite rassurer les joueurs sur le fait qu'aucun véritable jeu d'argent ou de lootbox n'est présent dans le jeu. Le jeu Assassin's Creed de l'année prochaine à Bagdad a été entièrement dévoilé ce week-end, Enfin, entièrement, euh, non. <laughs> on a eu un peu de cinématique et, euh, et pas de gameplay, donc entièrement, on attendra encore. Hein. Où nous, nous en avons beaucoup appris sur le projet tant attendu. Eurogamer, a un aperçu complet d'Assassin's Creed Mirage avec beaucoup plus sur ce à quoi s'attendre. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Alors évidemment, et puis comme nous fait remarquer ici Monsieur Optimus Bull, alors, eh bien, il disait, oui, non, non, c'est vrai que bon, les loot box, on n'en aura pas, mais vous ferez comme d'habitude. Euh, en tout cas, comme pour les derniers jeux, hein, selon nous, notamment Assassin's Creed Odyssey, où il fallait récupérer énormément de ressources pour euh, bien s'acheter tous les bonus du jeu, notamment les bonus sur les bateaux. Certains d'entre vous me diront Oui, mais c'était inutile, oui, mais c'est quand même dans le jeu. Et on a peut-être envie d'avoir les bonus max pour les bateaux ou pour autres, et il fallait une quantité de ressources absolument hallucinante. Et eh bien, Ubisoft nous vendait des packs de ressources dans la boutique. Et oui, ce qui est quand même assez curieux pour un jeu solo RPG. Non, non, vous pouviez en acheter avec du vrai argent. Ça, voilà. Ils savent très bien qu'ils vont récupérer des thunes avec ça. Bon, voilà. Et c'est ce que nous dit un petit bulle. Ou alors, il y a aussi le deuxième truc qu'ils nous ont fait, c'est-à-dire faire une courbe de difficulté qui est relativement pas linéaire. Et donc, où la difficulté s'accroît légèrement, légèrement de trop vers la fin. Ou en tout cas, bien au milieu, hein. Et après, eh bien, ils nous vendent des packs d'XP. <laughs> et, et oui, on crée un problème et on vous vend la solution. Alors, évidemment, encore une fois, certains d'entre vous, les power gamers, disent mais "Non, mais le jeu, il est tout facile. Je le fais avec une main dans le slip." Oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de ça. Ils ont du temps à passer sur le jeu, hein, c'est possible. Et ou alors, ils sont très forts. Peut-être que vous êtes très forts aussi et que, eh bien, vous faites effectivement le jeu avec une main dans le slip ou une main où vous voulez. Bref, mais euh, vous n'êtes pas une généralité. Et il faut penser aussi à tous les gens qui achètent le jeu. Il y a des millions de personnes qui achètent des Assassin's Creed. Eh bien, l'immense majeure partie des joueurs, ce sont des joueurs casus. Hein. Ce sont des joueurs qui n'ont pas énormément de temps, qui ont envie d'aller de pas trop galérer dessus. Et c'est pour ces joueurs-là que Ubisoft fait ce genre de truc. Et oui, donc, voilà, ils savent très bien que ça va se vendre. Et c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui achètent. Voilà. les Encore une fois, les joueurs qui ont du temps et qui sont, ou qui sont très bons. Ils n'ont clairement pas besoin de ça, mais ce n'est pas à eux que ça, ça, ça s'adresse. Voilà. Après, pour eux, il y a les cosmétiques, par exemple. Aussi, il y a plein de cosmétiques dans, des, dans les jeux. On avait pu. Ah, j'ai mis mon dracar eh bien, en couleur de l'arc-en-ciel. C'était magnifique. Je ne l'ai pas acheté. Hein. J'ai profité juste du truc qui était filé euh, dans le jeu. Il y avait une récompense comme ça, arc-en-ciel. Je me suis bien éclaté avec ça. C'était joli, un hein, dracar avec un arc-en-ciel. C'est magnifique. <laughs> Bref, on aura évidemment, très certainement, les grands classiques. Deux assassin's creed euh, d'Ubisoft, c'est dommage malheureusement. Les packs disparus, les packs de ressources, j'aimerais que ça disparaisse euh, et que on ait un bon jeu avec euh, qu'on puisse vraiment euh, tout avoir euh, en jouant au jeu juste. Mais bon, sans avoir évidemment à farmer pendant des heures et des heures, hein, parce que dans, dans ce type de jeu, c'est vraiment pas amusant. J'avais commencé à essayer, euh, c est, c est, mais ça n'est pas amusant. C'est juste un deuxième travail euh, qui arrive et c'est tout. De grind comme ça, c'est pas rigolo. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.